Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va jouer aux Sims aujourd'hui. Emma se reconvertit dans le gaming. Si on peut appeler ça du gaming. Moi je suis une très très grande fanade des Sims. Déjà avant je jouais énormément aux Sims. Ma soeur aussi beaucoup, mon frère aussi beaucoup. On avait toujours tous les packs. Franchement les Sims 3 ça a été les meilleurs. Là les Sims 4 j'apprécie un peu moins. Après parce qu'il n'y a pas eu tous les packs vraiment disponibles etc. Et donc quand il n'y a pas vraiment tous les packs disponibles c'est un peu moins drôle. Putain c'est une souris que je jouais maintenant. Je sais que là pendant le confinement il y avait une promo sur les Sims. Donc moi je vais vous dire du coup les extensions que j'ai. J'ai les saisons c'est trop bien. J'ai les animaux bien évidemment, enfin chien et chat. Vie citadine, vivre ensemble et au travail, la base. Après voilà je sais qu'il y en a plein d'autres. Je vais reprendre ma partie initiale parce que je me dis que... ça va être trop long pour vous si je montre comment créer un Sims. Puis surtout que la partie création des Sims 4, je la trouve pas ouf, sincèrement. Je suis vraiment attachée aux Sims 3, je crois que je vais rester avec les Sims 3. Mon mardi comme il ronfle, il est pas content. Ok, donc là je vous présente Charlotte Garnier. Donc là elle est en tenue de police, car elle est policière. Et en fait le fait c'est qu'elle trouve un mec qui soit quand même un peu potable, mais qui soit différent, vous voyez, parce que quand c'est moi qui crée mes Sims, enfin c'est à mes goûts. Elle rencontre un mec. Sont ensemble je crois, si je me souviens bien. Voilà, il s'appelle Asaya. En plus je suis perdue quand j'ai pas de souris, je sais pas comment j'ai fait. Donc voilà, donc là vous voyez elle habite vraiment dans un appartement nul à chier, dans une petite maison. Ça bug un peu hein. Après chacun vit sa vie dans les Sims, hein. Il y en a ils aiment bien voir un truc. Moi j'aime bien quand c'est une continuité, que tu t'ennuies pas parce que les Sims ça peut vite te gaver rapidement. Et là c'est cool parce que vous avez les saisons là. Ça va tout péter ma maison là. Si vous voulez une partie où je crée les Sims, vraiment tout début, dites-le moi. Et puis je ferai une partie là-dessus. C'est que là, j'avais envie de reprendre bah, la vie de base que j'avais. En gros, quand elle va au travail, vous pouvez aller avec elle. Et vous pouvez réaliser des missions selon son travail, etc., etc. Par exemple, elle est policière et plusieurs fois, j'étais sur son lieu de travail. Et en gros, ça vous demande d'aller patrouiller, d'aller voir des scènes de crime, enfin des trucs comme ça, de prendre des plaintes au commissariat, enfin voilà. C'est assez cool. Ouais, en fait, là, ça vous demande de rejoindre ou ne pas accompagner. J'ai pas envie de... J'ai déjà fait trop de fois, ça m'a gavé. Souvent, je le fais quand elle est prête à partir à l'heure. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, il est 9h30, elle est censée qu'on a 8h, elle fait toujours au boulot, c'est génial. Pareil, après, au niveau des boulots, etc., vous avez genre des vacances et tout, ça, c'est cool. Franchement, des... Ah, la balasse, l'appelé par son patron, elle est pas... Eh, vos boulots, connasse. Allez, écoute-toi. Quand elles sont fait chier quand elle est seule et qu'elle part au boulot. Et après, du coup, quand elle est au boulot, par exemple, vous pouvez mettre... genre travailler dur. Moi souvent c'est ce que je fais si elle est pas trop de mauvaise humeur. Ça elle augmente dans son niveau de travail. Putain elle a toujours pas passé un niveau au-dessus. Là vous voyez elle est tendue. Du coup tu vas faire la vaisselle ma cocotte. Elle va faire la vaisselle. Il n'y a pas de lumière là-haut je crois. Ah. Je vais vous montrer ma construction un petit peu. Bon bah voilà vous avez des trucs en fonction des packs que vous avez. J'ai pas de truc comme ça. Non. Ah, j'ai un truc comme ça. Ça, c'est ce que je mets tout le temps. T'as là que des petites lumières en fait. Souvent, je leur fais apprendre des compétences particulières à mes Sims. Genre l'un, la cuisine, l'autre, le bricolage, l'autre, elle est super intelligente et tout. Du coup, je vais la faire regarder la télé pendant un petit moment. Elle va dormir, demain, elle ne travaille pas. Voilà, ça, c'est son mec. Alors. Bonjour. J'ai dehors face à la boîte aux lettres, s'il vous plaît. Voilà, bon, il est pas ouf quoi. Mais en fait, moi j'ai bien aimé quand elle a appris à le connaître. Il est créatif, amoureux des chats, enfin voilà quoi. Non! Pars
On n'a pas fini notre discussion. Allez, reviens. Non, bah non. Elle le rejoint. Il est venu ensemble. J'ai vu qu'il allait partir. En plus, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Je pense qu'elle, elle va aller avec lui. J'ai envie de les faire vivre dans un appartement. J'ai envie d'un plus petit appart comme ça. Après, s'ils ont plus d'enfants, ils déménagent, ils ont une maison, vous voyez. Voilà. On va faire meubler. Je vais la machine. Ah, j'adore. Oui, belle. Ah, j'adore. En mode construction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.